Salut à tous, c'est Xoisy, j'espère que ça va bien. Maintenant que ça va nickel, donc aujourd'hui on se trouve pour épisode 3 du Let's Play sur GTA 5. Donc précédemment on avait volé deux véhicules, donc c'était une moto verte et un gros 4x4 jaune. Donc on avait aussi fait la découverte de Michael. Donc je vais vous montrer en bas, vous savez, on peut choisir Michael et Franklin, soit Michael, soit Franklin. Donc pour moi on va pas prendre Michael parce qu'on n'a pas de mission inclus, donc ça sert à rien. Donc là on va directement faire une mission avec Franklin. Donc on y va là. Donc en tout cas, au moment où je vous parle, j'ai déjà dépassé les 100 abonnés. Franchement ça me touche. Donc aussi au moment où je vous parle là, enfin j'ai fait une petite vidéo pour vous poser vos questions. Donc allez tout jeter un coup d'œil pour poser vos questions quand je ferai la FAQ. Donc la FAQ sera dans une ou deux semaines. Donc voilà. Donc aussi si vous pouvez me poser vos questions sur Twitter, Facebook ou dans la description de la vidéo que j'ai faite. Donc voilà. Donc encore merci pour les 100 abonnés, ça me touche, franchement j'y croyais pas. Donc aussi la vidéo spéciale, enfin le court métrage spécial sans abonnés, je suis en train d'y travailler là, donc là je fais les vidéos et après je vais faire le montage. Donc je pense qu'elle sera postée dans moins d'une semaine normalement. Donc on continue le let's play vu FPS. Donc là on va se rendre direct voir M, donc je suppose c'est Michael. Donc oui c'est Michael parce que je m'appelle Oula Vix. Donc là on va aller voir Michael. Donc go. Donc là Michael, faut savoir qu'il est un peu riche, donc vous voyez, il va avoir une belle maison. De toute façon on était déjà y aller pour voler le véhicule. Donc pour rouler VFP c'est un peu dur. Donc go. Je sais pas s'il habite là. Enfin, je sais qu'il habite dans les alentours, mais je sais pas si on a pris le bon passage. Si c'est le bon passage. Allez go. Là on va descendre de la voiture. Allez, je sais pas voilà quoi la voiture là, mais enfin je roule mal avec. Bon, de toute façon elle est niquée la voiture. Donc bref, go. Je pense qu'il faut aller devant la porte pour faire la mission ou rentrer chez lui, je sais pas trop. Non, faut aller dans le garage. Ah oui, on va aller parler avec lui. Donc enfin, il y a une cinématique dont je vais arrêter de parler et puis voilà. J'avais pas vu qu'il fallait aller le voir, donc désolé. Je croyais qu'il allait se lever lui-même. What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like, when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth.
Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. Alright, man. I'm following you. Donc oui, Michel, enfin Michael, je sais pas trop quoi, est très gentil, donc il va nous payer une bière. Donc là, on va prendre sa voiture, je pense. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it, they just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. Alrighty then. Change of plans. My Donc encore désolé si je fais ça, c'est pour savoir si j'ai réglé, d'accord. Erling boy is in trouble. I do what I can to help with that, man. Donc comme vous avez pu le voir, donc le fils de Michael a fait une grosse connerie, il a voulu voler, enfin vendre le yacht de son papa. Et bah maintenant il s'est. Enfin, il y a des voleurs qui partent son yacht. Donc maintenant ils sont coincés sur le bateau et. Et les gens ils sont armés, donc voilà, il est un peu con. Un yacht, pardon. Donc voilà, donc là faut aller à l'endroit normalement. But you can always buy another boat. Can't tell my accountant that. I mean, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slip-away motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Oh! Donc voilà, il est là le yacht, donc go. Le yacht, pardon. Donc faut se rapprocher du bateau. Donc on va essayer de se rapprocher le max. Ah ouais, c'est impressionnant, mec, il est tout le monde sur son passage. Bon, ah voyez, là il saute notre char tremplin. Allez, on peut être au doigt. Ah, moi j'ai arrêté de conduire comme un bête. Oh monsieur, tu peux faire attention, t'es obligé d'écraser tout le monde. Hein. Pour tirer sur le voleur, je suis pas un pro. Donc soit je pense qu'on l'a tué, pourtant j'ai pas tiré sur lui. Franchement VFPS c'est un peu galère. Oula, fais gaffe. Donc moi faut que je vois un trou normalement au-dessus. En dessous de mon fils. Enfin du fils. À Michael. Voilà. Donc là, il faut que je vais en dessous. C'est bon, on saute, mec. Il a sauté ou pas là? Ouais, il a sauté, c'est bon. Donc il ouvre l'autre. Ouh, il nous a fonché dedans. Attends-nous, Franklin. Franklin, Marie. Au revoir, mon pote. On va le taper après, Jimmy. Des méchants. Donc on dirait que la voiture elle va pas très vite. Ah c'est bon, on arrive à le rattraper. Hold it together! Ah, my
thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back here, dog. You drive us there, you can get the ride fit. Bon, vous avez vu, comme par hasard, quand on allait courser le bateau, le moteur était mort, donc là on va aller au garage, enfin l'Auchoto Custom. Donc je suppose qu'on va réparer. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie, that was a really bad judgment call. But shit, Dad, I really died, and all you give a shit about is this fucking boat. Pardon, monsieur. All we do is scream at each other. No wonder I can't. On va à deux à l'heure. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on a fait, mais il y a plein de camions. Donc on va les slalomer. Oula. On dirait je roule bien à deux à l'heure. Et une fois, enfin quand je leur fonce dessus, bah je ralentis encore plus. Donc en tout cas j'espère que vous m'entendez, parce que quand parfois ils parlent dans la voiture, je sais pas si vous m'entendez. Donc voilà. I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. On va passer par... on va faire un petit passage secret, enfin un petit passage secret. On va sauter par ici pour aller plus vite. Tombe pas dans l'eau, tombe pas dans l'eau. Bon, les mecs, on a raté la mission, j'aurais peut-être pas dû sauter. Dommage, dommage, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas que j'ai raté la mission. Ne me dis pas, on va retourner depuis l'autoroute. Et comme par exemple, on retourne ici. Punaise. Donc, bon là, on va retourner. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie, that was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat! No, not that, it's... All we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or, it's not, but it's partly your fault. I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Frankly, could you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough, all right? Enough! Donc je disais, on va retourner au Stokistom. Donc j'ai arrêté de parler pour pour que vous les entendez, mais ils parlent un peu trop, donc voilà. Donc là on va aller, je suppose, réparer le véhicule. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good though, man. You go and get your hair right, all right? All right. Listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Donc bah là je sais pas, on attend quoi. Ah voilà, fallait faire réparer le véhicule. Donc on va réparer le véhicule. Donc je peux améliorer le véhicule, mais ça me sert à rien, c'est pas le mien. Donc voilà. Donc aussi ce qui est très 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 cool avec Franklin, c'est au début de la vidéo, donc du Let's Play 2, donc je sais pas si certains l'ont remarqué, mais au début du Let's Play 2, c'est écrit vous avez gagné 500 000 $. Tout simplement, pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'ai gagné 500 000 $, c'est parce que quand j'ai acheté le jeu, ils offrent 1 million, donc 500 000 $ en ligne et 500 000 $ en mode histoire.
Donc les 500 000 $, il les passe 4 pour m'acheter une voiture ou des trucs comme ça. Donc ça veut dire 15 minutes que je tourne la vidéo. Donc je vais faire, on va terminer la mission celle-là. Enfin, on va faire encore une ou deux missions et après on va se stop là. J'espère que le Let's Play, je vais pas finir en 40 ou 50 épisodes. J'espère finir en 20. Bon, après, si je fais en 40, c'est pas trop grave, mais bon. Ah ouf, dommage. Allez, go. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost to your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employed mentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes. Hey! You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like, shop it, you know? Play darts or get our drink on, strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man, but hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Donc voilà, donc on va sauvegarder. Donc vous pouvez le voir, on est déjà à 3.2. Donc à 3.2, c'est quoi? C'est-à-dire on est à 3% du jeu. Donc vous inquiétez pas, le jeu il se termine pas à 100%. Il se termine vers les 50 ou 60, parce que pour terminer le jeu à 100%, il faut faire déjà toutes les missions secondaires. Donc nous, on va pas en faire, parce que ça ne sert à rien. Faut aussi faire des trucs, par exemple des trucs secrets, donc je sais pas, j'ai jamais vraiment fait une jeu à 100% moi. Donc enfin voilà. Donc la pub, enfin la musique, on va l'enlever. C'est quand on a une mission. Ah oui, donc tout à l'heure je vous parlais des 500 000 $. Donc il faut que je vous montre. Alors quand on peut voir l'argent. Allô. Donc voilà, j'appuie sur start. Donc en haut à droite, vous pouvez voir, c'est écrit 502 628 $. Donc voilà, pour le moment on a tout ça. Donc c'est déjà bien. Avec ça, on pourra s'acheter des véhicules et tout. Donc il y a une belle gommette. Donc je vais essayer de la mettre dans mon garage. Une belle gommette rouge. Donc je pense que je pourrais pas la mettre, parce que comme c'est un véhicule haut de gamme, elle est balisée. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi balisée, c'est comme par exemple tout voté, par exemple vos iPhones et tout, il y a une carte puce dedans. Et par exemple, si vous perdez, vous pouvez le bloquer ou des trucs. Donc là, ils pourront me repérer à distance. Donc je pense pas que je pourrais l'emmener dans mon garage, mais bon, c'est pas trop grave. Oula. Waouh, on a fait 720. Bon. Donc pour moi, j'ai pas de mission. Je sais pas, ils vont me passer un camp. Donc normalement, ils vont me passer un bientôt. Donc là on va aller chez nous pour le moment, je pense. Je pense qu'on a une mission à la... Enfin une mission. Donc une mission chez nous, je pense. Je pense en fait dès qu'on va arriver chez nous, ils vont nous donner une mission. Oula, le ralenti, vraiment à 2 balles. Plus ta voiture est penche. Waouh, on a raté la cascade. Donc vous voyez, j'ai 50 cascades à réussir. Donc déjà, quand vous aurez réussi déjà les 50 cascades, vous allez peut-être gagner 1 ou 2% du jeu pour finir à 100%. Donc voilà. Donc là, je sais pas trop quoi faire. On n'a pas de mission. À part, c'est obligé de faire la mission secondaire. Vous savez quoi, on va y aller. Voilà. Et go.
Ils ont encore remis une radio, j'ai mis, j'en voulais pas. Mon jeu, c'est un peu con de faire une mission secondaire, surtout ça nous avance presque à rien dans le mode histoire. Donc bah on va la faire quand même, mais bon, en plus c'est Tanya, vous voilà, c'est elle là. Franchement, ces missions sont vraiment naze à elle. Faudra prendre un camion et comment ça s'appelle, bon, j'ai arrêté de parler. I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then. Shit. Everything. Donc vous voyez, vraiment, ça est naze. Faudra prendre un... Comment ça s'appelle, pas un transporteur, c'est le truc qui accroche les véhicules quand... Une dépanneuse, voilà. Faudra pas une dépanneuse et c'est tout. Donc franchement, c'est, je trouve que c'est une mission naze, mais bien obligé. Enfin, je crois. Donc après cette mission-là, je vais stop. Je pense faire le let's play sur Scav du Sam Surf. C'est vraiment pas sûr. Franchement, je sais pas. Donc on va aller prendre la dépanneuse. Donc go. Faire son véhicule à prendre, il est pas hyper loin. Bon ouais, mon vite là, j'ai pas tout mon temps. La meuf sans pression, déjà s'habille comme une catin. Elle s'habille comme une catin et elle prend tout son temps. Donc go prendre son vieux véhicule. En plus, il a 1 km son véhicule. Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again. I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? Okay, I seen JB do this 100 times. Back up close, make sure the hook is down. And it should slide right in. Donc faut que je me mette comme ça et que je prends son véhicule, donc VFPS c'est un peu chiant. Comment je vais faire? Back it up nice and steady. Okay, we are in, donc c'est bon, baby. J'ai le véhicule, donc il est accroché, donc on va aller l'emmener au truc. Alors je sais pas s'il a son permis Franklin, mais faut savoir que même moi je sais qu'il faut mettre la ceinture de sécurité. Alors ils l'ont permis. Ok. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Donc ils aiment bien nous mettre de la musique. J'ai pas mis des droits d'auteur. Whatever, they'll live. Donc on est bientôt arrivé à la fourrière. Donc on va déposer le véhicule, je pense qu'on va s'en arrêter, enfin arrêter la vidéo là. Ça dure, je pense que ça fait bientôt 30 minutes. Donc go. Hey, qu'est-ce qu'elle fout ma gommette là? Je vais les tuer, on voit. Vous avez vu, fallait faire cette mission pour débloquer deux missions. Donc en tout cas, on va s'arrêter là.
Donc en tout cas, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je tiens tous à vous remercier. Et je vous dis ciao et à plus pour une prochaine vidéo.